Arracher les mauvaises herbes, arroser les plantes et les légumes, c'est ce qu'on vient faire dans ce potager collectif. Mais pas seulement, c'est aussi l'occasion pour des potagistes amateurs de se retrouver. C'est plus un espace où on vit la nature, on travaille avec la nature, donc on apprend aussi à cultiver les légumes. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est vital pour tout le monde. Il y a 4 ans, des immeubles ont été installés sur une partie du potager de Boundal Ernot. Aujourd'hui, la commune d'Ixelles souhaite urbaniser l'autre partie, un projet auquel s'oppose à nouveau le comité de sauvegarde des potagers. On se mobilise aujourd'hui afin de préserver cet espace qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans nos villes. La commune d'Ixelles se défend. Selon Nathalie Gilson, échevine de l'urbanisme, les immeubles seront installés le long de la route et non où se trouve le potager. La commune souhaite même créer un espace vert, espace qui ne fait pas l'unanimité. C'est un espace vert avec aucune garantie que ce soit des potagers. À peu près 70% des potagers existants aujourd'hui seraient détruits par le projet de PPAS. Chacun pourra donner son avis lors de la commission de concertation prévue le 2 septembre. En attendant, le comité de sauvegarde des potagers organise une fête de quartier ce dimanche.